Maintenant, on va enlever le cache du volant magnétique. Il y a deux vis cruciformes et deux boulons de 8 mm. Là, du 8 mm. Maintenant, on va retirer le cache-culbuteur. Il y a deux boulons, deux écrous de 10 et 4 boulons de 8. Ne surtout pas oublier le jour du remontage à changer le joint du cache-culbuteur. Sinon ça risque de fuir l'huile et de couler partout. Voilà. Avant d'effectuer le réglage des culbuteurs, contrôlez bien que le T du volant magnétique soit bien en face du repère du carter moteur. Vous voyez bien, le T est là, c'est bien en face. Et que les deux trous de l'abracam soient bien alignés sur la culasse et le gros trou en haut. Le réglage de la soupape d'admission. Moi je la règle à 0,5, 0,6. D'autres plus, d'autres moins. Bon, moi j'ai toujours fait comme ça. Donc, vous dévissez d'abord l'écrou là, et après vous tenez un petit peu la titine. Vous placez votre cale, vous revissez la titine jusqu'à ce que ça ne tourne plus. Et vous regardez si vous avez du jeu. Et si ça frotte légèrement, vous resserrez l'écrou. Vous recontrôlez et après vous n'avez plus qu'à serrer. Pas comme un malade, hein. Vous serrez. Voilà. Maintenant, l'échappement. Même chose. Comme c'est la soupape qui chauffe le plus, il faut mettre plus d'écart. Donc moi je mets du 0,8. Toujours sur de l'origine. Sur un kit, il faut mettre 10-10 à chaque. 0,10 à chaque. Car le moteur il chauffe plus. Bah, vous positionnez comme en haut. Hein. Vous tournez la titine et une fois que vous sentez que c'est rugueux quand vous passez la cale. Voilà, vous tournez l'écrou à la main. Et vous serrez. toujours sans trop forcer. Et vous recontrôlez. Voilà, c'est rugueux, je sais pas si vous l'entendez. Voilà. On recontrôle l'admission. Des fois ça peut bouger. Voilà pour ce qui est du réglage des culbuteurs. Maintenant nous allons poser le cache culbuteur. On n'oublie pas le joint. Hulé, hein, comme d'habitude. Le joint a changé, surtout toujours changer les joints.